Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu qui s'appelle Tycoon. Ou en gros la petite traduction que vous avez ici vous dit apprenez des mots lituaniens en massacrant des lapins zombies, pourquoi pas hein. Je veux dire là j'avais vraiment pas envie de prendre un truc qui était trop compliqué et puis on prend ça. Alors Snootup. Ok Snootup. Vous avez appris le mot Snootup aujourd'hui. Là, on va traduire le mot dormir. Miegas. Putain, ils ont de ces noms. Miegas, ok. Quoi d'autre? Voilà, j'ai Doc. Or. A-R-B-A. Arba. Donc, le mot ou, c'est Arba. D'accord, pourquoi pas? Nothing. Rien du tout. N-I-E-K-A-S. Ok, le but c'est juste de tenir le plus longtemps possible en fait. Merde, je me suis planté. D-U. C'était D-U, c'était du. Boum. Alors, me demandez pas pourquoi je me bats contre des lapins zombies. Enfin, c'est rien du tout, c'est le développeur qui a eu un coup de. Qui s'est fait un trip. Il a pas envie. Alors là c'est Arba. Voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes mots qui reviennent, donc au bout d'un moment vous les retenez par cœur. Dabar, voilà, Dabar, je me souviens très bien. Ouais du coup bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise un peu plus de plus sur ce jeu. En fait c'était un petit jeu sympa auquel je joue en ce moment assez souvent d'ailleurs parce que c'est sympa hein. Donc je voulais vous le faire découvrir, ça va faire une vidéo un peu courte hein. Je sens qu'il y en a qui vont m'insulter pour ça. Genre ouais, plus de vidéos de 20 minutes, elles sont où? Eh ben, il y a des fois où j'ai pas envie. Vienna. Ok. J'aime pas trop quand il y a les lettres qui apparaissent les unes après les autres. Very much. Oh putain. La baille. Putain, la baille. Bien sûr, ça devient de plus en plus rapide, c'est de plus en plus dur. Je vais quand même jouer jusqu'à ce que je crève. Hein, ce qui devrait pas tarder vu que je me suis lamentablement planté. Day, putain, celui-là je l'ai vu avant. D-I-E-N-A, Diena. Le jour c'est Diena en lituanien. Au cas où vous le sauriez pas. Ir. Le mot I c'est ir. Mais oui, on apprend des choses hein, sur ma chaîne. Ouais, on va jump, hop. Ouais, j'aime pas quand c'est du x2. On duck. Ah ouais, y a pas besoin d'être près des lapins, hein. Merde. Alors, les lapins, merde, je peux pas taper game over. Eh, en plus, on me tue encore plus. Alors, je pourrais restart, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ah ouais, ça fait une vidéo de 3 minutes 40. Mais c'était vraiment juste pour vous faire découvrir le jeu. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça sympa. Moi, ce que j'adore, c'est que les lapins zombies continuent à vous bousiller la gueule, même après que vous soyez mort. Voilà, exactement. Ça va, tu vois pas que je suis par terre complètement décédé, connard. Donc voilà, ouais, il y a des fois où j'ai peut-être un petit peu moins envie de faire des gros jeux, puis j'ai envie de vous montrer ces petits jeux indépendants, parce que c'était quand même un peu ça que c'était l'esprit de ma chaîne à la base. Hein. Je voulais vous faire découvrir des jeux indépendants et des jeux d'horreur indépendants. Bon, bien sûr, ça s'est amélioré depuis. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit speech. Avec cette petite musique derrière et le lapin qui s'excite, ça va être... Vachement sympa, mais qu'est-ce que c'était le but de ma chaîne à base? C'était de vous faire découvrir des jeux indépendants, des jeux d'horreur indépendants. Tous ces petits jeux de la scène indépendante, puis bah, c'était un petit peu ce que faisait tout le monde à l'époque. Et ce que fait de moins en moins de monde maintenant, j'ai l'impression, parce que les youtubeurs que je suis ont plus tendance à, je sais pas, à se vendre à des boîtes. Et à tester les jeux, enfin à jouer aux jeux qu'on leur demande de tester pour leur faire de la pub, du moins c'est l'impression que j'en ai, hein, c'est peut-être pas la vérité. Et du coup, bah, moi, je joue aux jeux qui me plaisent, comme vous pouvez le voir. Bah, par exemple, Silent Hill 2, Indiana Jones, Ocarina of Time, c'est trois jeux que je joue principalement actuellement. Les autres, autant le dire tout de suite, je les ai abandonnés. Hein, Dread Out et Silent Hill 4, j'ai plus du tout envie d'y jouer à ces trucs. D'ailleurs, de ce que vous m'avez dit, Dread Out, bah, la fin, elle est bien pourrie. Et bah, pour tous ceux qui me suivent, que ce soit pour les LDC, pour les Let's Play... Et bah, je tenais à vous dire merci, voilà, c'est un petit peu une vidéo de remerciement aussi parce que bah, ça me fait plaisir, j'ai pas atteint un palier d'abonnés, je trouve ça d'ailleurs assez stupide même si je l'ai fait de faire des vidéos de remerciement pour des paliers d'abonnés,
Parce que globalement, j'ai l'impression que, par exemple, si j'avais fait un vidéo de remerciement pour le palier des 3000, je remerciais le mec qui m'avait fait atteindre les 3000. Mais tous ceux qui étaient là avant, bah allez vous faire foutre, c'est un peu ça que ça me fait penser. Bon, je vais quand même faire un palier, mais mon prochain palier, moi je le vois assez loin, hein, ce sera à 10 000 abonnés, et d'après Social Blade, leur prédiction future, ce sera dans 5 ans que j'atteins 10 000 abonnés, si tout va bien, hein, donc c'est pas encore tout prêt. Alors que ce soit ceux qui me suivent pour les LDC, pour les Let's Play, pour toutes les autres vidéos que je peux faire, que ce soit des vidéos bonus ou n'importe quoi, eh ben je vous dis merci, ça me fait super plaisir d'être suivi. Bien sûr, c'est pas du tout ça qui me permet de gagner ma vie, hein, j'ai un boulot à côté. Je fais ça pour le fun, donc voilà, bah, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, donc bah, oubliez pas de regarder les liens dans la vidéo. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'est Nasband pour vous servir, bye. Bon, maintenant il va me refaire le coup de voler, je crois. Voilà, on reste en... Et on tourne. On tourne, bêtement. Ah non, il fait tomber des rochers, là. C'est vrai. Il suffit juste de courir. C'est easy. Je peux marcher dans la lave, hein, c'est pas de souci. Je veux dire, mes petites bottes en cuir, elles supportent bien, ça. Aïe. 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 Bon, il fait tomber des pierres là où il est. Je sais pas pourquoi, mais ça devrait lui faire mal normalement, mais ah bah tiens, salut. Ah non, t'es là. Ah, il est long à tuer par contre, hein. Bon, c'est quoi, c'est les pierres où je tourne?